Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour mon coup de cœur du 4 décembre. Donc on est vendredi aujourd'hui. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que chez moi il fait un temps, mais alors de merde, faut dire ce qui est. Il pleut, il fait hyper gris, il fait frais. Vraiment, c'est le temps où on a vraiment juste envie de rester chez soi sous la couette et pas faire grand chose. Mais bon, voilà. En plus, je me suis levée ce matin, bah, j'ai cru qu'on était samedi. Quand le réveil a sonné, j'ai pas trop compris. Donc, je l'ai éteint et mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, j'ai oublié d'éteindre le réveil. Il me dit, non, on est vendredi. Voilà, quoi. Deuxième coup dur. Enfin, bref, c'est pas grave. On passe tout de suite donc, à mon coup de cœur du jour. Et aujourd'hui, donc, je vais juste vous montrer le flaconnage parce que bah, je n'ai plus le produit en question et je ne l'ai encore pas racheté parce que j'ai d'autres choses à finir avant. Mais c'est ce produit-là, donc peut-être que pour certaines, vous allez le reconnaître, je vous l'avais présenté cet été déjà dans mes favoris. Franchement, c'est un truc dont je suis absolument redingue, c'est le beurre de cacao de la marque L'Amazuna. Donc j'avais enlevé l'étiquette, on reconnaît juste là un petit peu encore le bout du zèbre. Voilà, c'est un produit que j'ai absolument adoré. Je veux dire, comment vous dire, c'est une texture qui est fondante, moelleuse, qui vous le mettez sur votre peau humide, elle va vraiment mais nourrir intensément votre peau. Je m'aperçois que j'ai plus de place sur ma carte. La texture de ce beurre est juste incroyable, je veux dire, il fond vraiment sur la peau. Moi je l'ai utilisé tout l'été, il est parti mais il hyper vite parce que quand je l'ai fait sentir à mon mari, il me dit « Waouh, ça sent hyper bon !» Et du coup, il en a mis aussi. Les enfants s'y sont mis aussi. Autant dire que ce tout petit pot-là, il est parti, mais en l'espace d'un mois, j'étais trop dégoûtée. Il a une odeur en plus fleur de frangipanier. Alors autant vous dire que l'été, c'est juste un pur bonheur. L'hiver, je pense que ça doit l'être aussi. Donc ce truc-là, c'est vraiment mais un gros coup de cœur de l'année. En plus, la marque L'Amazuna, vous savez que c'est une super marque. C'est une marque vegan. Ils sont très portés sur le zéro déchet et tout. Enfin, vraiment, pour moi, c'est le maxi coup de cœur de l'année. Et je tiens à remercier ici encore le site Cebio parce que pour moi, ça a été une excellente découverte aussi cette année. C'est un site donc, de vente en ligne, donc de produits ben, bio. Il y a beaucoup de choix dessus. Ils ont été mes partenaires durant l'année. Et pour ça, je les remercie vraiment vivement parce qu'ils m'ont fait découvrir justement donc, ce beurre de cacao, la marque Belle Bulle, dont je vous parlerai également un petit peu plus tard dans mes coups de cœur. J'ai craqué sur pas mal de produits chez eux et aujourd'hui, ils se joignent donc à moi. Je vais arriver à parler ce matin pour vous offrir un super concours. Donc, c'est moi qui ai choisi les produits du lot. Donc il y a à gagner un savon donc, de la marque Belle Bulle, un beurre de cacao donc, de la marque L'Amazuna, plus une éponge Conjac, ainsi qu'un nettoyant, un gel nettoyant visage de la marque La Vera. Vous avez dû le voir en fait dans ma routine visage que j'ai mis en ligne la semaine dernière ou il y a 15 jours. Je l'utilise en ce moment, il est vraiment très bien. J'avais quand même envie de vous le faire découvrir, même si voilà, La Vera, c'est pas vraiment la marque vers laquelle je me tournerai d'emblée. Je préfère vraiment privilégier les petits producteurs. Mais c'était la seule marque à ce moment-là que j'ai trouvée donc, dans mon magasin en fait, de grande surface en Allemagne. Et c'était à peu près la seule marque ligne qu'il y avait. Donc j'ai quand même envie de vous le faire découvrir. Donc là, il y a un lot comme ça à gagner. Et moi, je ferai gagner également donc, 10 codes promo de 10%, donc valables hors promotion sur tout le site. Ils seront valables jusqu'à la fin du mois. Donc là, je suis désolée, j'aurais dû faire le concours bien avant, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, il y aura en tout 11 lots, si vous voulez. Ce concours, il est ouvert donc, à la France, à la Belgique et au Luxembourg. Il est, comme d'habitude, donc c'est un commentaire par personne pour toute la durée du concours. Il a lieu durant une semaine, donc jusqu'au 12 décembre. Je vais y arriver aujourd'hui, je suis vraiment désolée, je suis fatiguée. Et la seule petite condition, si elle n'est pas remplie, c'est pas grave, mais ça serait cool si vous pouviez également donc suivre le site Cebio et pourquoi pas le site L'Amazuna sur Instagram, ce serait vraiment chouette de votre part. Voilà, sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Désolée pour la vidéo un petit peu cafouillage, mais une vidéo par jour, je vous avouerai que c'est un vrai challenge, même si elles sont hyper courtes. Voilà, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve ben, demain 16h pour un nouveau coup de cœur. Ciao! Et je vous retrouve également demain matin sur le blog et la chaîne pour mon vidéo article de la Slow Cosmétique. Je devais le mettre ce matin en ligne,
Mais j'ai eu un souci au moment de l'importation de ma vidéo sur YouTube. Du coup, je mettrai tout demain en ligne. Voilà, c'est promis. Sur ce, bonne journée. À demain. Ciao.